Vite, 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 vite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la putain. Oh. Hey, salut à tous, bienvenue dans un œil dans le rétro sur Donkey Kong, sorti en 81, un des plus vieux jeux arcade qui a pu mettre en avant la découverte d'un petit plombier qu'on connaît tous aujourd'hui, Mario, bien évidemment. On joue vraiment sur un truc old school, le but c'est de se mettre en difficulté, hein, parce que ça c'est chaud. Vous voyez, après Princess Peach, qui a vraiment, est-ce qu'il y avait à se faire un dessin de tronche, horrible. How high can you get? Let's go. Alors je peux sauter. Et c'est tout. Faut que j'aille sauver la princesse, bien sûr. On va prendre le marteau. Oh la musique, mon dieu. Ceux qui ont joué à Smash Bros connaissent cette musique. Je veux bien que tu me drops cette merde, s'il te plaît. Vite, 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 drop, drop. Je peux taper la. Yes, je peux taper la flamme. Oh, je vais me faire baiser. Oh, je vais me faire baiser. On saute. Yes. Ah, parfait. On tente, ça passe. Ok, ok, ok. Ah, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Ah, c'est en plus ces jeux où vous recommencez au début. Je vais pas reprendre le marteau, j'ai perdu vachement de temps avec le marteau. Dans ma tête, ça allait être un bon plan. La réponse est non. J'ai peur que si je monte là... Non, c'est bon, let's go. Attends. Oh, le bâtard! Alors, c'est les mêmes... C'est les mêmes patterns. Donc, maintenant que je le sais, je ne le referai pas. C'est typiquement ce genre de jeu où vous faites un truc, ça se passe bien et vous le refaites et ça se passe mal. Vous perdez une vie stupidement. Oh putain l'enculé, j'ai dit c'est les mêmes patterns, c'est pas vrai. Game over au premier niveau ? Est-ce que j'ai game over au premier niveau les mecs ? Vraiment ? What the fuck ? C'est pas le même level ? Si, c'est le même level. Ça te ressemble pas du tout. Ce cri est horrible. Ce cri est horrible, monsieur. Il va falloir vous calmer. Hein, grâce à Donkey Kong Country, t'es devenu un vrai personnage à part entière. Mais calme-toi quand même, Deka. Hein. Ouais, voilà, le bâtard. Ah, putain. Je vais me faire hit. Ah, la flamme, j'ai... Putain, mais en plus, j'ai pas du tout... Je crois qu'on va avoir l'œil dans le rétro le plus court de l'univers. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que je fais comme merde, sérieusement. En plus c'est le genre de jeu à l'époque, enfin à l'époque 80, non, mais sur Game Boy par exemple, il y avait eu des bons, une très bonne version de Donkey Kong. Attends, vas-y, vas-y. Ouais. Ah, oup, oup. Attends. Oup. Ça va être le bruit. Oup. Ah. Attends, attends, vas-y, te barre pas avec ma princesse, là. 50 mètres, ok. C'est quoi, ça? C'est des points, ok. Je pense que si je monte là, je me fais brain. Yes. Est-ce qu'une flamme va sortir de la droite et me casser la gueule? Non. Ah oui, putain, je suis con. Oh, faut passer là-dessus. Yes. Padabibim. 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 C'est bon, on tient le bambou, on tient le bambou, on tient le bambou. Et voilà, vous avez terminé le jeu. Quoi? Parce que ça donne un peu cette impression, quoi. Ok, et donc, il est revenu? Attends, quoi? Ah oh, putain, l'enculé! Ah oh, putain! Ah la vache, et c'est là que je me rends compte que j'y ai jamais joué à cette version-là, parce que dans ma tête, ça allait être des nouveaux niveaux, pas... C'est une version plus rapide! Ah oh, putain, attends, il va descendre par là. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la putain. Oh. Oui. Non. Oui. Oui. Je dis oui. Attention quand je saute.
Attention quand je saute. Ah putain, tu me casses les couilles. Comment tu veux que je monte? Y'a pas un moment où tu t'arrêtes, espèce de connard? Yes, c'est bon ça. Vas-y, je suis devenu un PGM. Je m'appelle Mario. Mario le PGM. Mario le PGM est mort comme une merde. C'est tout ce qu'on aura retenu de sa vie trépidante. Est-ce que je recommence au tout début? C'est ça la vraie question. Registime. Vas-y, bah end. Your name was registered. Ah le bâtard, il reprend au début. Non. Ah la punition, putain. Les mecs en arcade qui jouaient à ça, ils devaient pleurer. Ils devaient tellement pleurer. Genre, mec, mais c'est les 10 balles que j'ai volées à ma mamie. Qui n'a jamais volé d'argent de poche? D'argent de poche, non, vu qu'on vous le donne. Qui n'a jamais volé d'argent à ses parents pour faire de l'arcade à l'époque? Mais putain! Pour rappel, les jeux de l'époque ne faisaient pas de diagonale. Ce qui fait que si vous mettez en diagonale, en gros, vous mettez pas en haut, vous mettez pas la direction gauche ou droite, ou vers le bas d'ailleurs, hein, je dis en haut, mais parce qu'on monte principalement. Ce qui fait que le jeu, il comprend pas ce que vous voulez et il ne fait rien. C'est un enfer. L'arrivée de la diagonale dans les jeux vidéo, ça a été quelque chose d'incroyable. Je ne saurais même pas dire à quel moment ils ont commencé à paramétrer de la diagonale, mais une chose est sûre, là il n'y en a pas, et quand il n'y en a pas, on le ressent directement, les jeux sont rigides de ouf, et c'est très compliqué. Très compliqué, surtout sur un haut de échelle. Oh putain, je me fais 7 up par des barils, tellement horrible. C'était ma dernière vie, non? Allez. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah écoutez, hein, c'était Donkey Kong. J'espère que ça vous aura plu. C'était dur. Hein. C'était dur. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux, toujours pareil, qui vous ont traumatisé quand vous étiez enfant. Des jeux que vous aimeriez voir, des jeux arcade. Je vais pas trop tarder, je pense, à me lancer sur les consoles. Mais ça sert à rien de me proposer des jeux Play 1. Pour moi, c'est pas du rétro. Ni Play 2. Je sais qu'aujourd'hui, pour certains, c'est du rétro gaming. Je me sentir tellement vieux. Et dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel œil dans le rétro. Allez, salut.